Je vais essayer en fait de récolter du bois et du bois dur pour faire une baraque assez résistante à l'extrémité du marais. J'espère pas voir qu'elle disparaisse ma tombe, parce que je sais pas combien de temps ça dure une tombe en fait. Peut-être que si je meurs trop de fois par la suite, la première tombe, celle que je veux vraiment récupérer, elle disparaît et là, là je suis dans la merde. Et merde. La dernière fois que j'étais au marais, j'ai vu que mon bateau était encore là. Si j'ai de la chance, il est vraiment toujours là et je pourrais revenir en bateau. Yes. Ça suffit. Donc je peux fabriquer une houe pour aplanir. Je suis déjà mieux au niveau outil là. Je me sens moins à poil face aux adversaires. Parce que si j'arrive pas à te crever dans la crypte, à chaque fois que j'arrive à l'atteindre, c'est surtout parce que j'ai pas assez de santé, pas assez d'endurance. Donc si j'y vais en étant bien nourri déjà, j'aurai plus de chance. Allez, un petit nagri qui vient joindre la fête. Voilà. J'ai pas assez d'endurance, mais que veux-tu? Oh putain, le troll. J'ai pas la vigueur qu'il faut. J'ai pas la vigueur qu'il faut. Parce que tu vois, quand il y en a un qui t'abandonne, il y a l'autre juste devant. S'il me voit pas, ce troll, peut-être qu'il y a une chance. Ah non. Le problème, c'est que moi, je galère à avancer avec ce terrain et que le troll, lui, il avance comme si c'était du plat. Pour lui, c'est facile. Fous-moi la paix, troll. Retourne chez tes parents. Je récolte sur le passage plein de myrtilles. Je sais pas si j'en ai besoin d'autant. Oh putain, il y a des dingueries. Genre du vrai dinguerie quoi. Et je suis dans la forêt noire, à côté du marais. Quoi, je vais aller chez le marchand, ça va me protéger. Ok, du coup on est de retour chez le marchand. Voilà, ici on est protégé, techniquement personne peut m'atteindre ici. Sauf que le problème, c'est que je dois aller récupérer ma tombe qui est là-dedans, dans ce bordel. Je suis mort, peut-être 20 fois ici, donc il y a énormément de têtes de mort empilées. C'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. On peut possiblement jamais récupérer la tombe. Je crois que je peux fabriquer une maison ici. Il y a honnêtement pas besoin qu'elle soit très perfectionnée, même pas perfectionnée du tout. C'est plus un baraquement qu'une maison, mais si ça peut accueillir un lit de ce côté et me permettre de dormir, voilà. Le lit trop exposé, pourquoi? Point de réapparition créé. Et on est ici. Et on doit aller là-bas. Donc je pense que c'est bon. Confort 4, donc on aura 10 minutes de en forme, 11 minutes de en forme. Ce qui va nous permettre de résister un peu mieux à la crypte. En direction de la crypte, j'ai pas de potion anti-poison, mais il y en a dans ma tombe, dans la crypte. Et je suis plutôt confiant. Salut squelette. Voilà, tant qu'on peut esquiver comme ça, on va pouvoir s'en sortir. J'ai du mal à garder mon calme en fait. C'est une ambiance très stressante le marais. Surtout quand tu connais le nouvel ennemi du marais, l'abomination. T'as pas envie de le croiser quand tu es sous-équipé comme ça. Je suis littéralement en caleçon. Et il y a une putain d'abomination juste devant moi, juste quand j'en parlais, dis donc. Comme de par hasard. Je suis dans la merde. Je suis vraiment venu dans la crypte avec le meilleur équipement qui soit. Je suis suréquipé. J'essaie de me motiver, vous avez vu? Non mais j'y arrive. J'y arrive, c'est pas le pire, c'est pas le pire. Alors, j'ai 88 de vie. J'ai Ektir. Et il y a le Hydroger ici. Voilà. Oh, je leur fais zéro dégâts en fait. Zéro. En fait, faudrait peut-être que je rentre, que je les attire de l'autre côté et qu'ensuite je fonce récupérer ma tombe. Que j'ai le temps de m'équiper et ensuite que je les accueille comme il se doit. Oh les petits drogueurs. Oh non. Eux c'est les pires en fait. Les archers drogueurs c'est les pires. Et il me colle vraiment au cul celui-là. Wow.
Alors, est-ce qu'ils viendraient par ici? Wesh! Wesh! Attendez, attendez, attendez. C'est pas vrai, je suis pas chanceux de fou. Wako, c'est un bordel. Oh. Ah, j'ai peut-être une solution. Oh. Wako. Ouais, c'est celle-là. Non. Mais non. C'est pas vrai. Je suis vraiment maudit, putain. C'est vraiment un cauchemar, ces marées. Allez, ça y est. Ça y est, ça y est. Dernière ligne droite. Je vais tenter de faire ce que j'ai dit que je ferais. Je dois récupérer celle-là. Voilà. Pour moi, la confiture. Pour moi, celle-là. Ah, bah attends. Vengeance! Vengeance! Toi, tu m'as déjà tué plusieurs fois! Oups! Wow! Non! C'est horrible! C'est horrible! C'est horrible ce qui est en train de m'arriver, putain! Mais au moins, il y a un élément qui est excellent, c'est que je suis mort dans le coin, vraiment dans le coin du fond. Donc, je sais exactement quelle tombe sélectionner. Donc, je peux y aller, je peux foncer. Et le deuxième point qui est excellent aussi, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul ennemi dans la crypte parce que j'ai déjà eu ma vengeance sur l'un d'entre eux. Donc, c'est la dernière ligne droite. On va pouvoir récupérer. Je vais pouvoir récupérer tout mon équipement. C'est la bonne. Ok, j'ai 65 d'endurance. C'est faisable. C'est honnêtement très faisable. Il faut que je pas, il faut pas perdre de temps en fait. Mais en fait ils sont deux. Problème. Toutes les tombes s'empilent. Mika. Putain. L'abomination m'attend à l'entrée de la crypte. Mais c'est pas vrai. Comment je fais pour être maudit à ce point-là? Ça veut dire que je vais sortir. Il y aura l'abomination qui m'attendra de l'autre côté. Putain, il y a l'air de pas avoir d'ennemis sur le chemin. Prendre tout. Oui. Oui. Attends, je mets mon équipement en entier. Ou alors, au lieu d'avoir d'assouvir une vengeance, je trace. Huch. Oups. Ouais, non, il fait trop mal en fait. Ah, j'aurai pas ma vengeance sur le deuxième. Mais putain, j'ai récupéré tout mon équipement. Faut que je récupère mon bateau. Oh putain. J'ai enfin récupéré mon équipement, Elsa. Oui. 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 Faut que je m'enfuis de ce marais avec deux ferrailles sur moi. Waouh, incroyable. Ça aurait été très très productif. C'est une putain de réussite. Ça a été un cauchemar ces marécages. Je suis pas prêt d'y retourner. Je vais essayer de faire d'autres choses avant. Hein. On va progresser autrement. Mais tôt ou tard, bien sûr, il va falloir y retourner parce qu'il faut récupérer de la ferraille pour essayer de battre la masse d'os. Ça y est, on arrive à la maison. Ça y est, j'ai enfin réussi à récupérer mon équipement. Purée, ça fait du bien. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez suivre une autre de mes vidéos, vous abonner juste ici. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Et n'oubliez pas, la meilleure technique, ça a été la fuite.